Bonjour, j'ouvre ce vlog, il est déjà 16h13, je suis en pleine production et je suis un peu deg parce que le dernier vlog, pour les 3000 qui ont eu le temps, les 3000, ouais, il y a eu à peu près 3000 personnes qui ont pu le voir, j'ai été obligée de l'effacer. Je suis dégoûtée parce que c'est pas hyper bon quoi d'effacer ces vidéos sur YouTube, hormis le fait que tu perds de l'argent, même pour le référencement, enfin bref. Et il fallait en fait que je retire un petit extrait qui était dans la vidéo. Moi, j'ai jamais fait ça. Je sais qu'il y a une possibilité. Donc, j'étais dans le montage, ta, 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 ta. J'ai retiré la partie. Et en fait, c'est hyper mal expliqué. J'ai laissé la partie que je voulais effacer et tout le reste du vlog était effacé. Vous me direz, tu peux pas le republier. Donc, non, déjà. Mais surtout, moi, une fois que mes vidéos sont en ligne, j'efface tous les rushs pour avoir un peu plus de place quand même. D'espace libre sur mon PC. Donc voilà, ça c'est l'état d'esprit. Je suis un peu. Voilà, ça m'énerve parce que montage d'un vlog, en tout cas chez moi, ça prend quand même 5-6 heures, 5-6 heures de boulot à la poubelle, c'est pas cool. Mais c'est pas grave. Donc en tout cas, pour ceux qui ont vu le dernier vlog, sachez que c'est bon. Et j'ai reçu ce matin la fameuse commande où je vais customiser deux articles de la box façon boudoir. C'est splendide, c'est adorable, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Donc je parle bien de la box au Pays des Merveilles, box d'août qui est encore en commande jusqu'au 10, inclus 10 août. Il fait toujours très très chaud, c'est pour ça que là je me suis mise ici pour produire, c'est quand même plus sympa. Alors j'ai mon frère qui est de retour, j'ai tellement pas eu le temps que c'est Eric qui est parti à la gare pour aller les chercher. Et on se retrouve ce soir, une fois que j'aurai bien avancé, autour d'un petit repas, tranquille ou tranquille. Je suis contente, j'ai retrouvé ma robe de l'été dernier, que j'avais eue, je crois, ouais, ça, chez Mango. Elle est tellement grave, c'est un petit peu effet lin. Le truc, c'est que normalement, je la porte avec une ceinture, ceinture que je n'ai pas retrouvée. Mais ouais, on est vraiment en confort là-dedans. Alors, ils vont bien? Ok, bah top. Pour les personnes qui pourraient être frustrées parce que j'ai eu plein plein de messages me disant oh non, j'ai pas eu le temps de voir ta vidéo, nanana. Dans la vidéo, je spoilais le flyer. Pour les personnes qui veulent pas être spoilées, je refais la même. Ne regardez pas. Et pour les autres, bah je vous montre maintenant. Alors, il est là le petit. Attendez, je vais me positionner. Ah voilà, si je le pose ici, c'est pas mal. Au pays des merveilles, le flyer de la box d'août. Et j'ai laissé le petit liseré, la bordure blanche, je trouve que ça ressort super bien. Sinon, Eric, comme vous avez entendu, il est bien rentré. Et il m'a demandé, mais tu veux qu'on fasse quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en même temps, j'ai commandé quelque chose pour que je puisse avancer sur la prod. Et cette chose arrive demain. Donc en même temps, voilà, je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus en restant là. Alors finalement, j'ai pas retrouvé la ceinture que je cherchais, mais je suis tombée là-dessus. Ça choque pas. Ça devait être sur une tunique, un truc comme ça. Ouais, c'est bien, ça va faire le job. Parce qu'en fait, là, je viens de me rendre compte que je n'ai plus de gros scotch. Il va me falloir au moins 4-5 rouleaux. Je vais appeler aussi ma maman pour savoir si elle a besoin de quelque chose pour ce soir quand même. J'ai mis les baskets gazelle pour l'avec, c'est pas mal. Ouais, j'en ai. J'ai appelé ma maman et m'a dit bon non, rien, il y a déjà tout. Moi, je sais pas, peut-être quand même ramener un truc. Pour l'instant, on a quoi? On a du Schweppes, petit gâteau et des despés. T'as pris quoi comme despés? La despé tropicale, puisque c'est l'été. Ah oui, bien sûr qu'il y a plein de trucs. Il y a des grains of paradise. Nous sommes rentrés, je suis même passée prendre mes gros scotch. J'ai hyper faim. Ce midi, j'ai quasiment pas mangé tellement j'étais contrariée. Et hier, quand nous étions à Leclerc, je suis tombée sur ça. Ça faisait super longtemps et je sais qu'à l'époque, j'adorais. C'est des petits sablés comme ça, framboise, amande. Mais aujourd'hui, alors est-ce que c'est mes goûts qu'on change? C'est délicieux, hein. C'est hyper sucré. J'avais pas souvenir que c'était autant sucré. Bon, ça reste quand même très très bon. Bah oui, c'est pour booster ta maman, mon chéri. J'ai pris ça pour ce soir. Des poivrons grillés, feta, yaourt. Il a un peu souffert, lui, j'ai l'impression, avec la chaleur. Le guacamole. Il n'y avait pas grand chose, donc j'ai pris les tortillas, les gâteaux apéritifs, les mieux notés, les plus clean. En plus, ils sont bons, les sticks de pois cassés. C'est A. Je sais, c'est pas gage de qualité, le A, mais bon, ça reste quand même très bon. Vu qu'on part que dans une demi-heure, bah, je vais continuer, hein. Chaque production est bonne, en fait. Là, je suis en train de le customiser. Bon, c'est des petits sacs. Chaque sac en plus customisé est un gain de temps.
Bon, c'est l'heure du barbecue là. Je crois qu'il y a de la saucisse et de la merguez cramée. Et ça, j'aime pas trop. Mais il fait hyper bon et c'est très agréable. Seb, oui. C'est pas terrible ce que t'as fait là. Qu'est-ce que c'est? Elles sont cramées? Celle-là, d'accord. Bon, celle-là. Okay. Je vlog, hein. Non, en fait, mais c'est bien d'être comme ça, en fait. Celle-là, okay. Non, mais moi, je mange pas ça, je suis désolée. Celle-là est foutue. Putain, je me faisais une joie de manger des merguez. Ouais, je sais, mais il y en a. Regarde, celle-là, je te l'ai préparée spécialement pour okay, toi. Ok, ça va. Regarde, elle est spécialement Caroline Style. Caroline quoi? Style. Style, c'est quoi? Style merguez. Ah, pas mal. La nouvelle journée, c'est mercredi. Finalement, elles étaient pas mal, mes petites merguez. Alors, aujourd'hui... Et je suis dans la production depuis ce matin, mais surtout je vous avais dit que j'attendais une livraison. Alors ce matin en me réveillant, on m'annonçait jusqu'à 22h, donc le truc chiant, t'es obligé de rester à la maison. Et là ça s'est affiné, c'est entre 13h30 et 15h30, donc c'est déjà mieux. Et il est 14h09, et une fois que je suis livrée, je pense qu'on va sortir une petite heure et demie quand même, on s'oblige avec Eric à bouger un petit peu. Et hier avec mon frère... On a mis des petites choses en place, des demi-journées. Par exemple, on va aller faire un moment du bateau, on va aller une après-midi faire un peu de shopping, trucs comme ça, le soir des restos. Et sur des petites demi-journées, c'est cool pour moi parce que moi, je vais m'organiser, c'est-à-dire le matin si c'est off, l'après-midi pris. Donc voilà, je vais faire ça, tout ça sur une dizaine de jours. Donc moi, ça va me paraître moins intense au niveau du taf, je veux dire, parce que je suis la seule dans le groupe à bosser. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas évident et j'ai pas envie non plus que, c'est pas que ça saoule, mais que ça embête tout le monde ou que ça freine, donc c'est à moi aussi de faire en sorte de m'organiser, soit je me lève plus tôt, soit je bosse plus tard, voilà. C'est ainsi. Ouais, c'est pas mal. Comme souvent, j'ai souvent la même question, c'est quoi ta routine, qu'est-ce que tu utilises pour te maquiller, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu parlais à quelqu'un depuis tout à l'heure, flippé. T'as flippé, pourquoi t'as flippé? Je ne savais pas s'il y a quelqu'un dans la maison ou pas, alors. Et alors, ça fait quoi s'il y a quelqu'un? Je me cache. Tu m'étonnes. Ouais, donc en fait, je vous montre déjà ce que je mets en ce moment. Parce que là, c'est pas la même, c'est la routine summer. Par exemple, sur mon teint, je mets le fond de teint Shiseido. Donc c'est un fond de teint SPF 30, donc protecteur solaire. Et en plus, bah voilà, il est teinté. J'arrive au bout, donc vraiment c'est hyper pratique. Tu peux l'intensifier, soit t'as la petite houppette pour venir un petit peu plus uniformiser ton teint. Moi je le mets avec le pinceau. Moi j'ai toujours mis un contour des lèvres, donc en ce moment c'est vraiment celui-ci, c'est pas du tout net. En ce moment j'utilise celui-ci, donc c'est le Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk, vu que moi mes lèvres de base, elles sont un petit peu asymétriques là, légèrement. Du coup, bah, j'ai pris l'habitude de faire un petit tracé. Et toujours, ça c'est vraiment, c'est un baume à la base, mais il est coloré. Je vous l'ai déjà dit, c'est le Ritual. Il n'est pas couvrant, mais c'est vraiment une teinte. Et moi j'adore, là par exemple, je le porte. Il est très hydratant, il tient super longtemps. Et au niveau 2, parce que je mets toujours le rose, moi j'aime bien en ce moment, c'est celui-ci. C'est le Satin Blush de chez Tarte. Voilà, c'est vraiment le rose que j'aime. Je l'ai mis hein, très léger. Et quand je sors ou quoi, je rajoute toujours ma petite touche d'highlighter. Toujours de chez Charlotte Spotlight. Et sinon, en ce qui concerne ma routine soin, et ben ça se passe ici. Je dois avouer que l'hiver, je le fais aussi. Mon eau micellaire biphase, mon sérum. Alors celui-ci, c'est celui qui était dans une box au thé blanc Léonia. Je l'adore. On a un super... contour des yeux. Ma petite crème, je vous l'ai montré, ma nouvelle de Shiseido, et j'ai même un petit coton qui m'attend, qui va être tout frais pour ce soir. Alors ça, vraiment, je conseille. Hein. Cette routine, c'est top. C'est ridicule, bébé. Oui, mais préviens les gens. Voilà, il va refaire la scène parce que j'avais pas ma caméra. Et moi, à toi. J'apprécie qu'elle mange mon jeu d'acteur. Et voilà, vas-y. Caroline ? Oui ? Peux-tu me dire si tu as reçu ton colis ? Ça, c'est gênant. Non, pourquoi ? À ma grande surprise. Putain. Il a été noté sur une notification que tu avais été livré. Non, en plus, bon, là... Je vais jouer genre, pardon, en fait, ouais, j'ai flippé. Donc pas du tout, non, ils n'ont pas sonné. À ce moment-là, je suis descendue. Et là, ils appellent ça livré. Livré. Ouais, c'est pas grave, voilà, il est tombé dans la rue. Heureusement que c'est pas un truc qui coûte une blinde. Bon, le principal, c'est que je sois livrée. Ah bah non, je vais pas pouvoir vous montrer ce côté-ci. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a plein de trucs. Par contre, je peux vous montrer. Bébé, t'aurais pu me prévenir hein, qu'il y avait un monsieur qui livrait.
À la base, le vlog là que vous êtes en train de regarder, je suis en train de tourner, c'était quand même un petit vlog de remplacement de l'autre. C'est pour ça qu'il ne s'est pas passé 15 000 trucs. Mais mon petit doigt, je pense que ces jours prochains, très très prochains, il va se passer des trucs sympathiques que je vais bien évidemment vlogger. Et par contre, là nous sommes mercredi, je suis un peu perturbée avec les vacances. Ce sera soit vendredi, soit lundi en ligne. Cette période de vacances, voilà, on va pas être du précis, hein, je pense que vous l'aurez compris. Elle est hyper pratique, cette petite robe longue volantée. Ne me demandez pas la ref, hein, je sais pas, mais elle date. Je crois qu'il y a même, il y a plus l'étiquette. Mais croyez-moi, en plus, il y a le côté smoke là, smoke à la taille. Attendez, je vais vous le montrer de plein pied. Je profite d'avoir remis ce miroir ici avec des petites chaussures. Oh, des baskets, tiens, hier, avec les baskets que j'ai pas. Ah, quoique, je sais pas. Mais bon, avec des petites baskets ou alors des compensées, ça peut le faire. On va donc se quitter là pour aujourd'hui et se retrouver, donc, comme je vous disais, hein, soit vendredi, soit lundi. Dans tous les cas, le mieux, c'est que vous me suiviez sur Insta. Parce que là, je vais vous donner un petit peu les dates de parution. Même, je publie d'autres petites choses. Écoutez, je vous dis à très très vite pour la suite des aventures. Ciao.